L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répandent en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les lectures de ce mardi de la 28e semaine du temps ordinaire à Nice, lues par Odile Diago, sœur missionnaire de Notre-Dame des Apôtres, Justin Dikounou, diacre de la Société des Missions Africaines, et commenté par Raphaël Tchassiwa, père de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 5, versets 1 à 6. Frères, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors, tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Moi, Paul, je vous le déclare. Si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous sera plus d'aucun secours. Je l'atteste encore une fois. Tout homme qui se fait circoncire est dans l'obligation de pratiquer la loi de Moïse tout entière. Vous qui cherchez la justification
par la loi, vous vous êtes séparés du Christ. Vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est par l'Esprit, en effet, que la foi, nous attendons la justice espérée. Car le Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est pas que l'on soit circoncis ou non, mais c'est la foi qui agit par la charité. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Veuillez répéter après moi le repos du psaume 118. Que vienne à moi, Seigneur, ton amour. Que vienne à moi, Seigneur, ton amour et ton salut selon ta promesse. N'ôte pas de ma bouche la parole de vérité, car j'espère tes décisions. Que vienne à moi, Seigneur, ton amour. J'observerai sans relâche ta loi, toujours et à jamais. Je marcherai librement, car je cherche tes préceptes. Que vienne à moi, Seigneur, ton amour. Je trouve mon plaisir en tes volontés. Oui, vraiment, je les aime. J'attends les merveilles de tes volontés. Je les aime. Je médite sur tes ordres. Que vienne à moi, Seigneur, ton amour. Elle est vivante, énergique, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc, chapitre 11, versets 37 à 41. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit, « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, louez soit Jésus-Christ à jamais. Saint Paul, dans sa lettre aux Galates que nous venons d'écouter, nous invite à ne plus être des esclaves de la loi, car nous sommes justifiés par pure grâce de Dieu. Beaucoup parmi nous nous attachons tellement aux choses externes que nous oublions les choses les plus importantes. Construire une bonne relation avec Dieu, et ceci est possible si nous travaillons sérieusement sur nous-mêmes. Car la seule personne que nous pouvons réellement changer, c'est nous-mêmes. Dans l'évangile que nous avons écouté,
Le Christ nous invite à soigner notre fort intérieur pour plaire à Dieu. Beaucoup sont tellement préoccupés par l'aspect extérieur, par leur apparence, qu'ils oublient ce qui est le plus important, l'intérieur, le soin de leur âme. De même que nous nous occupons de notre aspect extérieur, prenons aussi le temps de nous occuper de l'intérieur. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.